super heureux, ils sont tous très joyeux. À chaque fois qu'on rencontre des bénéficiaires, on a envie d'en faire plus. C'est toujours bien de pouvoir se réunir, d'être en famille, de pouvoir partir en vacances. Ça, c'est quelque chose de formidable. Des personnes pour qui le droit aux vacances est un droit virtuel vont le transformer en droit réel. C'est aussi permettre de retrouver une vie de famille dans un cadre différent, de découvrir de l'architecture, de découvrir des cultures, finalement de s'émanciper au travers du droit aux vacances. Et ça, c'est un message très fort que nous avons toujours voulu porter au travers de Vacances Ouvertes. Donc c'est la raison pour laquelle nous accompagnons Vacances Ouvertes dans sa capacité à mettre en œuvre l'argent collecté au travers des dons. C'est un enjeu social de première importance. Ce qui se joue à travers les taux de départ en vacances, c'est la cohésion de la société. Et l'opération 10 000 départs en vacances qui se déroule aujourd'hui à Lens est exemplaire à ce sujet. Les vacances, ça représente la joie des sorties en famille. Parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est souvent chacun de son côté avec le téléphone, la console, que là, ça nous a permis de nous retrouver. C'est vrai, c'est vrai. Oh ben, disons que la vie en vacances, on est beaucoup plus cool. On apprend à vivre aussi avec d'autres. Hein. On apprend différentes cultures, différentes valeurs, différentes façons de faire, différentes façons de vivre. On mixe après à notre retour. Donc j'ai appris à donner du temps. Et j'ai appris aussi à partir seule avec mon ado. Ça permet de les voir s'épanouir, donc là pour le coup ça sera à la montagne. Et bah voilà, ça va permettre de se détendre et de profiter du soleil. Ça nous permet de voir aussi la famille, la belle famille qu'on n'a pas vue depuis 5 ans. Et cette année ça va être quelque chose de se retrouver. Vous savez, c'est formidable parce qu'on se dit qu'on a été utile. Notre plus belle récompense finalement, c'est le sourire des parents, le sourire des enfants. Et on n'est pas à part de tout le monde, c'est aussi ça le projet 10 000 départs. Tout le monde peut partir et tout le monde doit partir, tout le monde devrait partir.